Bon, tant pis. Next. Sculpteur avec AE parce que ça fait penser déjà à Rodin. Et sculpteur, pour moi, il faut être... Voilà, j'aime bien quand la sculpture me dépasse, quand elle peut même me tomber dessus, quand je me bats avec la terre, quand je me bats avec la sculpture. Et donc pour moi, c'est quelque chose de physique. Et physique, je trouve que... Ben, je vais me faire engueuler par les femmes. C'est plus masculin, quoi. La force est plus masculine. Même si je suis très costaud. Et donc voilà, et j'aime bien, je trouve que voilà, c'est bien d'avoir du féminin, du masculin, et pour moi, sculpteur, c'est un peu plus le masculin. Qui va rouler comme ça. Il va être sur un roulement à billes. En fait, il roule. Le pulse est fixe, et ça, c'est le seul élément qui roule. Et autour, il y a tout un pulse. Ok. Quand je commence à boire, j'arrête. Je travaille plus parce qu'en fait, c'est trop minutieux. Et ça demande trop de précision. Il faut une adresse. Je dois avoir un peu d'eau là avec moi. Là, c'est vrai que je suis sur un puzzle qui est assez violent, sur la dévoration, le cannibalisme. Donc même si je mords mes pièces, si je mords certaines parties du corps de cette femme, à la finale, il y a toujours une rédemption. Vous savez, il y a toujours, j'ai besoin de trouver une finalité positive à tout ça. Donc je sais que, voilà, ça va être un ossuaire, mais je sais qu'à la finale, l'artiste, donc moi, le créateur va intervenir, va marquer la pièce avec ses dents, et donc ça, c'est comme s'il venait sauver, mettre une fin à ça, quoi. Je vais la mettre sur un autre pulse, elle est partie, elle a giclé beaucoup plus loin. Ok.
Tu vois, il attaque les bras. C'est pas mal, ça. Hein. Mmh. Oui, là, il faut que j'aplatisse. Alors, il faut que je mette un peu d'eau, tu vois, parce que là, maintenant, tout est sec. En fait, j'aime bien travailler avec des éléments qui sont chez moi, qui m'appartiennent. Pas acheter des éléments tout faits. On s'aperçoit qu'on peut, sinon on n'arrête pas d'acheter. C'est pas par économie. C'est utiliser ce qui est autour de moi, avoir. Et puis bon, c'est-à-dire qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui pense mon travail, qui. Et ben du coup, il faut que dans l'instinct, donc je suis quelqu'un de très débrouillard et qui sait trouver toujours des... Je trouve toujours une solution à tout, mais avec des choses qui sont dans l'instant et qui m'entourent chez moi, voilà. C'est se démerder avec ce qu'on a dans les mains autour de soi, et je pense qu'on peut toujours tout faire. Il suffit de regarder autour de soi ce qu'on a et il y a toujours une solution, tout est là. Ça, je fais quoi de ça? Mon croquis. Donc ça, c'est celui du haut, par exemple. Là, ça va continuer le cercle. Ah oui. Oui, il faut continuer. Est-ce qu'on le soulève? Allez, allez! Fragilité. Voilà. Tu vois, ça va s'emboîter là. J'ai mangé les yeux, j'ai tout mangé en même temps. J'ai pas fait exprès, je voulais pas lui enlever le nez. J'ai tout bouffé. Elle était sèche. Pas dû faire ça. Là, il s'est déformé. Ah, quel col!
juste au milieu. Écarter un peu. Donc ça, ah voilà c'est ça, je vais vérifier avec, bon, je vais vérifier avec, non parce qu'il faut les deux, que les deux s'emboîtent, il faut que j'aie les deux. C'est trop dur. Allez, let's go. C'est pas mal cramé comme ça, non? Ouais. Thank you.
Et pourquoi les clous ? Les clous, déjà, c'est le Christ qui est cloué sur la croix. Et pour moi, c'est le sacrifice. Comme le film de Tarkovsky. Ah oui ? Le sacrifice. Ouais, ben voilà. Ah tiens, d'ailleurs, je pourrais l'appeler le sacrifice. Le sacrifice, oui. La femme qui sacrifie. La mère. C'est, moi, je dirais que c'est une relation d'amour. Parce que, en fait, pour moi, c'est comme les relations humaines, quoi. C'est, et généralement, tu accordes autant de disponibilité, de curiosité, d'attention à quelqu'un que tu aimes. Tu ne peux pas donner autant, être aussi disponible à n'importe qui comme ça. Et quand on veut vraiment être en harmonie, en trouver, pour moi c'est comme voilà, c'est comme un équilibriste sur un fil tendu et voilà. Et donc oui, pour moi c'est une relation d'amour quoi. Je me rappelle une fois il y avait une sculpture qui a explosé dans mon four et quand j'ai ouvert le four, j'ai eu la sensation, mais vraiment physique, d'avoir d'avoir eu un enfant mort-né. J'ai l'impression qu'il faut pas mal de... pour le pire. Oh non! Voilà, ça c'est les trucs casse-couilles! Non, 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 non! Voilà, il a besoin d'être bichonné en fait, tu vois. Il a besoin d'une infirmière qui s'occupe de lui, qui lui fasse des câlins. Voilà. Il voulait un petit peu de câlins. Il suffit d'entendre hein, ce qu'il demande et puis c'est tout. Je suis pas assez occupée de lui. Hop, le dos. Mmh. Je crois que ça va s'arrêter là parce que l'appui, il faut pas qu'il y ait des mailles, sinon ça colle. L'appui, donc voilà, là, je peux faire. Hop. Là, je peux faire. Là aussi. Et là. Voilà. Allez. Maintenant, tu pars dans le four. C'est fini. Allez. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas là. Attention. Allez, dessous. Hop, dans le four. Ouh là 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 là, il y a un appui qui n'est pas bon. Ah putain, il y a la jambe. Alors il faut qu'il tombe un peu plus. Le moment d'ouverture d'un four, c'est un moment mais magique quoi. C'est et je sais jamais comment la sculpture, parce que la sculpture étonnamment continue à vivre même sous la pression du feu. Elle prend son autonomie et c'est toujours une surprise parce que moi j'essaye de la, malgré tout je lui impose une forme et elle prend sa propre forme dans le four. Et elle m'apporte autre chose, et des fois elle ressort, elle est penchée, elle s'est tordue, et ça crée toujours quelque chose de magnifique, quoi. Bon, il peut y avoir des catastrophes, elle peut avoir explosé. Je me suis dit, maintenant, je ne veux plus jamais revivre ça. Et donc, à chaque fois qu'il y a
enfin les quelques fois quand il y a des accidents comme ça, dans, maintenant j'appelle ça un accident dans le four, et ben en fait j'utilise l'accident et à partir du chaos, je fais renaître une autre sculpture. Donc en fait toutes mes sculptures qui sont cassées, qui sont avortées, je les garde, elles sont toutes là, je ne jette rien. Et à partir de ça, de temps en temps, tout d'un coup, je réunis le tout et je redonne une autre naissance. Ça dure à peu près 10 heures. Les 5 premières heures, ça fait du bruit. Mais en fait, je pourrais acheter un appareil qui n'est pas très très cher pour arrêter le bruit. Et en fait, j'adore entendre ce bruit. En fait, j'adore entendre le bruit du four. Pourquoi ? Je sais pas, ça me berce. Je sais pas, ça me sécurise. C'est un bruit qui m'est familier. Je sais qu'il marche. Je sais qu'au bout de 5 heures, il reste plus que 5 heures. Tu vois, c'est un rituel. Ok. Et le bruit, en fait, bon, sauf quand je dors, c'est vrai que ça m'emmerde un petit peu plus. Mais le bruit du four, ça me berce, je sais pas, ça me sécurise. Je me dis qu'il est en vie. Bon, bah ciao. Bonne nuit. Ça, c'est horrible ce truc. C'est un moment quand même toujours un peu angoissant le four, hein, parce que ça monte quand même à 1260 degrés et t'as toujours peur de faire une erreur. C'est un truc qui m'angoisse toujours un petit peu. 2, voilà, ben voilà, là ça a monté. Toujours peur de m'être trompé de programme, de nanani, nanana. C'est le moment magique. Alors là, il faut faire tout doucement. Bon, c'est des petites pièces, alors je sais que j'ai pas quelque chose qui s'est écroulé ou qui est un peu tombé et tout. Ça bouge moins les petites pièces. Mais c'est en fait, c'est parce qu'il est quand même à 200 degrés. Normalement, j'ai pas le droit de l'ouvrir à 200 degrés, ça s'ouvre à 50 degrés au four. Ah bon ? Oui, c'est pour ça que je fais tout doucement. Mais bon, je suis trop curieuse, donc. Donc je peux pas. Tu vois, regarde, t'entends, il y a du bruit. Il fait chaud, hein, t'as vu ? Ouais. C'est super chaud, ça, en fait, 200 degrés, on va mettre la tête dans un four à 200 degrés. Bon, ben maintenant, on va l'ouvrir petit à petit. En fait, ce qu'il faut, là, comme il est quand même encore très chaud, c'est qu'il faut reprendre, on prend certaines pièces. Parce que j'ai peur de faire un trop gros choc thermique et de l'abîmer. Parce qu'en fait, normalement, t'as pas le droit, parce que t'abîmes les briques réfractaires, patati patata. C'est un peu collé. Tu vois, ça, c'est un doudou. Les yeux ont éclaté. Il a trop pleuré. Il est triste parce que le Christ, il a plus de tête. Il est mort. Ça,
Peut-être qu'il faudrait que je mette un verre un peu plus de couleur. Là, c'est une image pensée. Ça va peut-être donner autre chose. C'est marrant, ça fait du bleu. Tu vois, il y a du bleuté. Tu vois, toi ? Non. Voilà, là, j'ai prévu un trou pour que ça tourne. Bon, c'est un peu chaud. Chaise érotique. Là, c'est un élément en bas. C'est chouette, ça me plaît bien. Alors, ce que je fais, regarde, quand je suis trop curieuse, c'est que j'en mets dans l'eau, dans cette bassine d'eau. Comme ça, je vais pouvoir la prendre plus vite. Et après, je vais pouvoir la mettre sur la madone, voir comment ça fait. C'est un super... Elle est encore un peu chaude, mais ça va, elle est encore un peu chaude. T'as vu, elle a diminué un petit peu, hein. Elle est plus petite, c'est la rétractation de la terre de 20%. Voilà, un petit cours de physique. Petite débris. Voilà, ça c'est la mémoire de la terre, c'est la mémoire de la porcelaine. C'est un truc que j'ai rajouté, et en fait il y a la fissure. Bon, c'est pas grave, avec ça me jamais dans le four une autre fois. Mais je vais sûrement la recuire. Sauf si je mets un truc là, parce que c'est pas beau, c'est laid. Je veux qu'elle touche sa main. Si on a besoin de sentir la peau de sa main. Je vais me brûler, tu vois. Je vais me brûler parce que c'est trop chaud. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de savoir s'il est vivant ou pas. T'aurais aimé savoir dans quel état il était. Ah ! T'entends, il y a des bruits. Ouais. C'est qu'il faut que je referme un peu. Elle est trop loin, là. T'as entendu quoi ? Je sais pas. Bon, voilà. J'avais peut-être ouvert trop grand, trop vite. Il se réouvre tout seul. T'entends tout le bruit que ça fait là-dedans ? Ils sont furax. Faut refermer. J'ai chaud. Ils sont en train de faire la gueule, ils sont tous en train de crier. Bon. Je ferai ça un peu plus tard. Ils sont pas contents du tout là. Je vais me faire engueuler. Tant que mon four pète pas. Comme ça, je vais essayer parce que je dois voir avec la chaise érotique.